Salut. 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 Ça va? Ça va. Donc on fait un petit point là sur vous avec la mini pelle. Donc le matin, on fait un point sur ce qui a été fait la veille et ensuite, en fonction des spécialités de chacun. Donc Loïc plus bâtiment voirie, lui se rend sur ses tâches qui lui sont destinées. Et puis Julien et Pierre qui eux forment plus un binôme, plutôt en espace vert. Et puis moi, qui essaye de faire plus la partie administrative le matin au bureau et puis de garder du temps pour notamment je fais la tonte l'après-midi. Bonjour Aurélien. Bonjour Gérard. Ah oui, alors sur le plan, s'il te plaît. Donc la maison neuve est là. Ben, je pense que pour les travaux, il va falloir qu'on réserve une mini-pelle. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir la chance de pouvoir s'organiser seul sur les chantiers. C'est-à-dire qu'on gère de la réalisation de devis, puis la réalisation ensuite de chantiers. Oui, à bientôt. Merci. On se rend compte que tous les lundis, il y a des ordures au pied de certains molochs. Tous les lundis, il y en a à ramasser. C'est un réel plaisir pour moi de travailler sur ma commune d'origine, qui se développe énormément depuis quelques années. Et ce qui est bien, c'est de participer à entretenir la commune. Le zéro phyto nous a impacté dans le choix notamment des espèces à mettre en place dans les massifs, au niveau des espaces verts. On s'est rendu compte qu'il a fallu utiliser beaucoup plus de vivaces et de couvre-sol pour justement éviter à avoir de désherber les massifs. Par exemple, au cimetière, on se rend compte qu'il y a la présence d'oiseaux, il y a la présence de papillons. Il faut savoir aussi qu'il y a un centre-bourg, mais qu'il y a aussi 56 villages donc à entretenir, hein, donc au niveau des routes, au niveau des fossés, au niveau des haies. J'apprends à connaître le personnel, savoir quels sont leurs besoins, comment ils voient les choses, est-ce qu'on puisse, nous, en tant qu'élus, améliorer les choses, apporter ce qu'il faut au niveau humain, mais aussi au niveau matériel. Hein. Alors concernant la voirie, on a beaucoup de curage à faire. Donc la première partie, on essaye de d'élaguer les arbres, de débroussailler, de broyer pour que le fossé soit bien propre. On le fait en régie, du coup, le curage de fossé. Moi, je trouve que ça valorise drôlement les agents, justement, notamment Julien et Loïc qui ont réalisé ces travaux cette année. Donc il y a les panneaux à vérifier, parce qu'il y a des panneaux qui sont plus ou moins effacés, voire cassés. Non mais c'est bien là, ça rend bien comme ça là. Ouais. Faudra juste qu'on voit pour l'air de jeu là-bas, si on met du copeau ou... C'est pas monotone alors. Hein. Un coup ça va être de l'entretien d'espace vert, un coup il y aura de la maçonnerie à faire, ou un coup ça sera de l'entretien de bâtiment. Ou... C'est jamais le même travail en fait. Là, par exemple, où on est, c'est un ancien aire de jeu, en fait, qui est tombé un peu à l'abandon, donc on a tout enlevé et on a tout remis en pelouse pour que ça soit plus pratique à entretenir, quoi.